Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Dans lequel nous allons retenter quand même le Crime Sweep, hein, le Crime Sweep. Oh yeah. J'ai l'impression qu'on va un peu trop vite. On va le retenter, on va espérer que ça se passe un peu mieux quand même. Et voir donc ce qu'on peut en tirer. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup. Beaucoup d'autres joueurs. Ce qui, je l'avoue, m'inquiète un peu. Hop. Hop, on l'a eu, parfait. Excusez-moi, j'étais un peu concentré, j'avais quelques doutes, dirons-nous. Apparemment, j'ai déjà des alliés et des ennemis, donc c'est parfait. Oui, c'est vrai, il n'y a pas besoin de choisir, je suis stupide. Alors, j'en vois un tout seul ici. Ce qui pourrait être en soi très intéressant. Par contre, il faut remettre un peu plus dans l'armement. Voilà. Voilà un qui est intéressant, un Viper comme moi. Anaconda, on s'en va. Anaconda ? Oh. Attends-toi, je vais pas te laisser attaquer mon Anaconda. Hop. Fuyons, on a attaqué par beaucoup trop de choses. Oui, oui, under attack. J'ai bien compris. Hop, on vise, tout comme d'habitude. Ils sont là, normalement, il est là. Voilà. Hop. Comment ça devrait être assez léger. Non. Tu ne m'auras pas de face. Non, j'ai dit non. Sale bait. Il a littéralement envoyé la sauce. Il en a mis partout des grumeaux. Mince, je me trompe de touche. Fais chier. Le problème c'est que s'il me touche avec un gros canon, je suis baisé. Le problème c'est que même avec le petit, je suis baisé. C'est dur. Salaud. Putain, mais ils sont deux. Je suis tout seul. Où est-il? Il est là. Il est balèze. Il me fonce dessus. Par contre, je n'ai plus de bouclier. Oui, moi non plus. Baisser l'armement. Tant pis. On va l'avoir. On va l'avoir.
Ok, il a envoyé les paillettes. Ah non. Non plus. Une menace, je suis pas une menace. Oh. Putain, c'est par quelque chose qui est derrière moi que je me prends des dégâts. C'est pas par l'anaconda. Je rêve ou lui il me regarde? Hop. Merci mon pote. C'est sympa de me filer un coup de main. Hop. Surcharge thermique. Dommage, j'avais une super cible. Gah. J'aurais dû laisser un point. Allez. Allez. Donc on m'a conseillé de pas prendre les gros canons à la con pour le Vulture, si justement le Vulture. Du coup bah écoutez, on fera sans les gros canons. Allez. Oh, il y a un mec qui est dessus aussi, c'est génial. Enfin pas un, enfin un PNJ, mais je suis pas tout seul quoi. C'est ça que je veux dire. Et ouais, dommage. Oh, c'est quoi ça? Un autre Viper. Putain, fait chier. Des boucliers qui lâcheront en premier. Aïe, non, c'est les miens. Shields 74 72. On sent qu'il a des plus gros calibres que moi. De face comme ça j'ai pris très très cher. Fuite mais je l'aurai. Hop, on va même me remettre des points. Propulseur panne. Oh non. Pas à ce moment là. Shields online, putain. Alors il est temps d'aller voir ce qu'on a, ce qui nous arrive comme merde. Oh la vache, les propulseurs 52%. C'est catastrophique. Cependant, dites-moi que le Viper il est entamé. Que la saloperie qui me suit elle est entamée.
pas le moins du monde. Le moins du monde, pardon. Hop. Sauf que moi je suis désolé. Vu les dégâts qu'il m'a fait, je vais pas hésiter. Putain, il y a l'autre qui me... T'es sérieux? Oh la gueule! Je me fais encore violer. Bon, on m'avait dit que les crime sweep tout seul c'était la merde. Je confirme. On va sortir et on va mettre fin à l'épisode sans avoir fait le moindre frag. J'ai honte, chers amis. J'ai littéralement honte. Tout dans les boucliers. Ah. Oh la vache. Pleine balle quand même. Hop. Laissez-moi survivre. Laissez-moi. Je vous donne le tournis, je sais les amis, mais malheureusement, c'est nécessaire pour pas prendre de dégâts. Et comme vous voyez, c'est assez efficace. Hop, les. Moi aussi je commence à avoir le tournis, du coup j'arrête. Hop, parfait. Bon, on a réussi à s'en sortir, tant bien que mal. La gueule. On n'arrivera pas à faire un seul frag tout seul en crime sweep. Donc on va se garer. Et on va se laisser là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom si vous souhaitez participer à une session de tournage. Je vous invite, comme d'habitude, à aller voir directement donc, dans le sous-forum candidature si vous souhaitez participer à une session. Je serais ravi de pouvoir vous accueillir, surtout qu'apparemment les crime sweep c'est très difficile tout seul. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.